Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de notre ami Google. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés, des nouvelles applications sur notre Google Assistant et on va parler avec ces applications. On va découvrir ensemble les différentes nouvelles applications à qui on peut parler. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel lorsque Vision High Tech sort une vidéo. Bienvenue sur Vision High Tech! Et c'est parti pour parler avec, sur notre Google Home, notre assistant préféré. C'est parti! Alors ici, on est sur la JBL Link 20 qui est donc équipée du Google Assistant et à gauche, le Nest Hub Google Assistant aussi. Donc aucun problème, tout fonctionne avec tous vos appareils, aussi bien sur vos enceintes préférées que sur vos smartphones ou tablettes équipées de Google Assistant. Allez, on part tout de suite sur les premières phrases clés que l'on doit dire. Donc pour vous, ça sera toujours soit le mot-clé OK, machin, et vous lancez parler avec. Sur la Google Link 20, on a un truc super intéressant, c'est que l'on a un bouton, on n'a pas besoin de dire le mot-clé. Donc, ça peut être vraiment super utile. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur Android 12 avec les dernières nouveautés, certainement demain. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir cette vidéo et ne rien manquer sur Vision High Tech, sur les nouvelles technologies accessibles. Allez, on part tout de suite demander à notre enceinte parler avec. Et ça, c'est pour les petits. Et c'est bientôt d'actualité. C'est parti. Parler avec ma lettre au Père Noël. Très bien, voici ma lettre au Père Noël. Bonjour et bienvenue, je suis Pipelette, l'une des lutins du Père Noël. J'espère que tu as été sage. C'est moi qui suis chargée de noter ta liste pour le Père Noël. Avec l'option Voice Match activée, je pourrais me rappeler de toi et tu pourrais sauvegarder ta liste. Le Père Noël ne va pas tarder à arriver. Mais tout d'abord, peux-tu me dire quel est ton prénom? Christophe. J'ai entendu. Christophe, est-ce bien ton prénom? Oui. Enchanté Christophe, ne bouge surtout pas, le Père Noël arrive. Bonjour, bienvenue sur mon application vocale. J'espère que tu as été sage. Souhaites-tu m'envoyer ta liste de cadeaux maintenant? Oui. Super. Très bien. À l'aide de mes lutins, je vais enregistrer tes souhaits. Ils t'écoutent maintenant. Tu veux quoi comme cadeau, Christophe? Un iPhone 13. J'ai entendu. Un iPhone 13. Est-ce bien cela, Christophe? Oh oui, j'en veux. J'ai entendu iPhone 13. J'ai bien noté, Ton Christophe. souhait est enregistré par mon lutin. Tu peux à tout moment revenir pour en rajouter d'autres. À bientôt. Souhaites-tu demander un autre cadeau? Oui ou non? Non. D'accord, Christophe. Tu peux revenir voir le Père Noël quand tu veux pour faire une autre liste. Voilà donc les amis, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à aller leur faire demander leur cadeau à votre meilleur assistant vocal. Parlez avec ma lettre au Père Noël. Allez, on continue et surtout, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Montrez-moi ça en barre des likes, partagez cette vidéo et surtout un petit commentaire pour encourager la chaîne. Ceci pour l'algorithme de YouTube, pour que la chaîne puisse être reconnue auprès de YouTube. Je compte sur vous. On va essayer de parler donc avec l'application le Telegram. C'est parti. Parler avec le Telegram. Bien sûr, je vous mets en relation avec Telegram. Bonjour et bienvenue sur le Telegram. Je peux vous renseigner sur les événements de Bretagne, concerts, vide-grenier. Que recherchez-vous? Concert. Oups, j'ai beaucoup d'informations pour votre recherche. Précisons. Pour quelle ville, salle de spectacle désirez-vous effectuer une recherche?
Stop. Merci de votre visite. À bientôt. Voilà, donc parler avec l'application Le Telegram vous permettra de connaître tout ce qui se passe dans votre région du côté de la Bretagne. N'hésitez pas à utiliser cette application. C'est vraiment excellent. On continue les amis. Allez, là je suis sûr que ça va faire beaucoup d'adeptes. Est-ce que vous voulez parler avec l'annuaire vocal? C'est parti. Parler avec l'annuaire vocal. Ok, je vous mets en relation avec l'annuaire vocal. Bienvenue à l'annuaire vocal. Que recherchez-vous exactement? Un hôpital. Pour votre demande à l'hôpital, j'ai plusieurs réponses. Je peux vous proposer ASM13, Centre Mental Lutte contre LALC, Hôpitaux. Il est situé 20 passage Trubert-Bellier à Paris 13e et joignable au numéro 01 45 81 53 69. Voulez-vous une autre proposition? Hôpital Georges Pompidou. Pour votre demande Hôpital Georges Pompidou, j'ai plusieurs réponses. Je peux vous proposer Hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique, Hôpitaux de Paris, Hôpitaux. Il est situé 20 rue Leblanc à Paris 15e et joignable au numéro 01 56 09 20 00. Il est actuellement ouvert et ferme à 22h. Voulez-vous une autre proposition? Quitter. Goodbye. Voilà donc, si vous devez rechercher des numéros de téléphone avec l'annuaire vocal, alors c'est comme ça que vous allez utiliser votre Google Assistant. C'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous pensez de cette application en section commentaire. Et si on parlait avec Valentin Audio? C'est parti. Parler avec Valentin Audio. Très bien, je vous mets en contact avec Valentin Audio. Bienvenue dans l'application d'écoute de livres audio Valentin. Ah oui, que voulez-vous faire? Vous pouvez dire information ou espace membre. Information. Voici les informations sur l'association. Que voulez-vous faire? Vous pouvez dire information ou espace membre. Espace membre. Pour me permettre de lire cette information, activez les résultats personnalisés dans l'application Google Home. Arrêtez. Au revoir et à bientôt. Voilà donc les amis, vous avez bien entendu l'association Valentin Aoui, l'association pour les personnes en situation de handicap visuel, personnes aveugles et malvoyantes, a ouvert son application sur le Google Assistant. Vous n'avez qu'à gérer votre compte et vous allez pouvoir écouter vos livres audio directement sur votre enceinte. Ça, c'est vraiment une superbe nouvelle. Merci à l'association Valentin Aoui d'avoir fait ce geste pour les personnes aveugles et malvoyantes. Alors, je compte sur vous sur cette vidéo. N'hésitez pas donc à la partager, c'est super important. On continue sur la lancée de ces nouvelles applications. C'est parti. Allez, on va essayer de parler avec des petits jeux sympathiques. Et si on parlait à Hit Quiz, c'est parti. Parler avec Hit Quiz. Bien sûr, je vous mets en contact avec Hit Quiz. Bonjour et bienvenue dans Hit Quiz. Testé et approuvé par les plus fins connaisseurs de musique, on va jouer ensemble et vérifier votre grande culture musicale, enfin j'espère. Bonne chance. Wow. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés en ce moment? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, voulez-vous jouer gratuitement avec la série culte et ses musiques légendaires? Non. Voulez-vous jouer au pack découverte pour découvrir le jeu ou jouer à l'un des packs premium? Pack découverte. D'accord, on joue avec le pack découverte. Alors au fait, est-ce que vous voulez jouer en solo ou faire deux équipes? Solo. Parfait, c'est parti. Allez donc, je vous laisse découvrir ce tout nouveau jeu sur votre Google Assistant, le Hit Quiz. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu vraiment super chouette. On continue. Réponse 1, humilié. Réponse 2, U2. Ou réponse 3, les Rolling Stones. U2. Vous pouvez répéter 1, 2 ou 3?
2. Wow. Bien joué. Question suivante. On continue. Allez, on va parler avec Olia. Parler avec Olia. Bien sûr, je vous mets en contact avec Olia. Bonjour et bienvenue, je suis ton experte coloration. Je suis là pour t'accompagner dans toutes les étapes de ta coloration Olia. As-tu déjà acheté ta coloration ? Quitté. Voilà, donc ça c'est pour toutes les personnes qui achètent des colorations Olia, de la marque Olia, et vous allez avoir une aide au fur et à mesure que vous allez faire la colorisation de votre tête. Et ça c'est plutôt cool, je trouve. Est-ce que vous-même, vous utilisez Olia ? Allez, cette petite dernière, c'est pour tous les Parisiens. Gros bisous d'ailleurs à tous les Parisiens. Abonnez-vous tous les Parisiens. Ça va faire à peu près 16 millions d'abonnés sur la chaîne Vision High Tech. Ça serait plutôt cool. Allez, on va parler avec... Que faire à Paris ? Parler avec Que faire à Paris ? Bien sûr, je vous mets en relation avec Que faire à Paris. Bonjour les amis, chaque jour Sortir à Paris vous propose le meilleur des sorties à découvrir seul, en famille ou entre amis, à Paris et en Île-de-France. Notre équipe vous a déniché les meilleures sorties famille, exposition, loisirs et spectacle. Alors quelle est votre préférence ? Une sortie famille, exposition, loisirs et spectacle ou une autre sortie ? Sortie famille. Nous avons trouvé plusieurs sorties correspondant à vos critères. Petite astuce, vous pouvez à tout instant affiner votre recherche en précisant la ville ou la date pour votre sortie. Alors, quels sont les bons plans famille de sortir à Paris en ce moment ? Je vous propose sortie banquet, une exposition qui nous met en appétit à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Sortie 2, les vitrines de Noël 2021 du Bon Marché Rive Gauche en mode pain d'épices. Sortie 3, les festivals de lumière 2021 à 2022 à Paris et en Île-de-France. Dites-moi le numéro de la sortie qui vous intéresse ou demandez-moi plus de bons plans. Quittez. Que faire à Paris, les amis, lorsque vous ne savez pas quoi faire ? Votre Google Assistant est capable de vous donner les meilleures astuces pour Paris. Voilà donc, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur votre petit commentaire, votre petit like. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, il y aura d'autres vidéos du même genre. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne de l'Hightech, Vision Hightech. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous.